I'll shock your soul and seal your doom tonight. Spooky, scary skeletons speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Bien, bonjour à vous, bienvenue chez Flemming, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'Halloween. Alors on va faire un peu du vlog, mais devblog, mais pas vraiment en lisant un devblog, mais pas vraiment en parlant de devblog. On va juste parler un peu d'Halloween, parce que moi j'ai fini Halloween, alors évidemment à 100%, c'est parce que c'est une mise à jour assez courte. Donc je vais grosso modo englober ce qu'il y a à faire pour Halloween de concret, ce qu'il y a évidemment à tirer en cam, etc. dans une petite vidéo qui en parlera. Vous savez, je vise quand même le 100% succès sur les événementiels en ce moment pour éviter d'avoir, simplement pour pas les louper. Comme ça, le jour où je me mets vraiment à faire des succès, au moins j'aurai pas le regret ou les dents de me dire ah bah merde, je peux pas les faire. Donc je me suis fait le 100% Vulcania, je me suis donc fait aussi évidemment par la même occasion le 100% succès sur Halloween et je vais vous en parler un peu parce que pour la 2.48, ils avaient rajouté des quêtes pour Halloween. Alors, Halloween, une mise à jour. Grosso merdo quand même, pas très très immense, hein, on va pas se mentir, c'est une mise à jour qui arrive avec son contenu quoi. Hein. Bon, il y a du 16 octobre au 6 novembre, pour commencer par les dates, hein, on va avoir grosso merdo 4 quêtes disponibles et un donjon disponible, ainsi que quelques petites mécaniques des ventes disponibles en plus. C'est une période assez courte, hein, ça ne fait que 20 jours. Sachant quand même qu'on a des périodes qui ont été beaucoup plus longues pour Vulcania et Noël, hein, je crois que ça va jusqu'à 50 jours. Donc évidemment, c'est quelque chose sur lequel il ne faut pas se perdre. C'est pas énorme comme mécanique, mais c'est toujours sympathique, c'est toujours événementiel. Et si vous vous posiez la question, évidemment, ça vaut le coup d'y participer. Comme toute chose événementielle, ça prend de la valeur assez facilement, c'est toujours utile. Et puis, bah, ce que j'aime bien dans cet événement, pour le coup, en ce moment, c'est que par rapport à d'autres jeux, vous connaissez peut-être pas trop, comme Guild Wars 2 ou World of Warcraft, sur lesquels ces événements prennent énormément de place et énormément de quêtes et autres. Sur Dofus, c'est court, ça a toujours été très court Halloween, ça a toujours été très petit, un peu comme la Saint-Balotin pour la Saint-Valentin. Mais pour moi, c'est très suffisant. Balkis qui me demande si je cherche Malice. Pourquoi pas, vais-je lui répondre. Je connais la forêt par cœur, donc il n'y a pas de souci. Donc je m'explique rapidement. Au niveau de ce qu'il y avait à faire en plus sur Halloween avec la mise à jour de point 48, en plus du donjon sur lequel j'avais pas pu finir les succès, puisqu'évidemment la sortie du serveur Isael s'était faite le 17, joyeux anniversaire à Isael pour commencer, et ensuite joyeux anniversaire moi, hein, parce que je fête mes 24 ans, moyen de partager la pause si jamais. Alors, les gens qui demandent des grandes discussions comme ça en pleine vidéo, c'est dérangeant, c'est pas grave, on lui répondra après, on va se mettre en solo. Hein, hop, voilà, j'arrive, nous irons faire Malice la malicieuse, bref. Donc, ce qui se passe, c'est la sortie du serveur Isael était le 17, donc on n'avait pas vraiment l'occasion de bien pouvoir faire les succès. Il fallait faire le leveling, puis il y avait possiblement tous les soucis posés par les histoires de farm mineur, de gestion de guild, etc. Donc, on avait pu faire que très peu de choses sur notre cher ami Halloween. Mais en tout cas, le potager d'Halloween a réouvert, on peut de nouveau le faire. Donc il y a pas mal de choses qui se font et en plus il y a des nouveaux boss. Donc rapidement, j'ai fait nos chers amis Halloween. Bon, j'y suis allé évidemment faire le score 209 tours avec, je crois que les succès, c'était quoi les succès d'ailleurs pour Halloween? C'était Collant et... Il me semble que c'était Collant et Focus, je suis pas sûr. C'était Collant, Hardy dernier et Chrono. Donc voilà, en 9 tours évidemment les boss événementiels comme d'habitude. Donc Hardy dernier sur Halloween en score 200, j'ai fait ça, évidemment Épouvanti j'avais déjà. J'en ai profité pour faire Sucer n'est pas joué, hein, la terrible quête des consommables. Alors vous l'avez cette quête des consommables aussi sur l'île de Noël à chaque fois, hein, vous avez toujours un succès consommable pour les événements sur Dofus, avec de la consommation évidemment d'objets événementiels mais aussi de friandises, hein, friandises de Noël, les sucreries de Noël, donc les autres friandises de Noël, et puis sur Vulcania vous aviez la même chose avec spécialité Vulcan et les différents cocktails et crustacés, soupes et autres conneries, pique-nique de Vulcania. Donc pour évidemment Halloween, là aussi j'ai fini les bonbons, hein. D'ailleurs bonbons qui tout au long de l'année avaient pris de la valeur, parce que bah, tout simplement bonbons qui ont toujours eu de la valeur, comment dire, alors ce qu'on est là, voilà, qui était quand même vachement sympathique, hein, par exemple. On avait donc, pour donner l'exemple, alors avec les suquettes à la pomme, on avait, c'était, voilà, moins 100 vita, mais 50 en force, et c'était avec les gummies qu'on avait tout de même 100 de puissance pour moins de 100 de vita. Et vous savez que 100 de puissance, certains combats, ça peut être vraiment sympathique. Donc, les gens en avaient pris quand même pas mal, ils avaient cherché. Et puis, bon là, il y a ce dont je vous parle. Évidemment, dans la forêt maléfique, vous avez
Malice qui se balade quelque part avec les citrouilles maudites. Alors Malice c'est nouveau, les citrouilles non, hein. Les citrouilles c'était un peu les anciens trucs qui étaient là dans la forêt depuis très longtemps et qui, avec différentes mises à jour après la 2.0, donc un peu plus loin que la 1.29 évidemment, donc pas en 1.29, se sont mises à dropper des graines magiques donc d'Halloween pendant Halloween. Ce qui fait aussi que si vous allez voir l'amphreuse de Troy, pardon, à l'entrée de la forêt maléfique, vous pouvez rentrer dans la forêt maléfique gratuitement sans donner d'ongles de chevaucheur de carne actuellement, et ça c'est vraiment cool. Et puis Malice c'est quoi? Bah, c'est un boss qui repop en boucle dans la forêt. Et le problème de ce boss, bah, c'est que il a une mécanique un peu bidon, un peu débile, qui profite pas à toutes les classes. Et alors, si vous trouvez ça très sympa et très rigolo qu'ils nous sortent Malice hein, dans la forêt. Alors, Malice c'est ce boss là, d'ailleurs je vais vous montrer évidemment, c'était le but. Avec un skin tout neuf, et, alors tout nouveau le skin de Malice. Et la mécanique du combat de Malice, alors je vous la fais rapidement, c'est celle d'un Battle Royale. Alors je sais pas s'ils ont voulu faire cliché un peu et tenter de faire un Battle Royale dans Dofus, s'il vous plaît. Non, vous avez déjà pas réussi avec le PVP sur la Ligue Coliseum. Ne commencez pas à vous faire des folies, d'accord? Je ne sais pas si c'est ce qu'ils voulaient faire, mais en tout cas, c'est assez rigolo. Donc, quand vous rentrez dans le combat, en fait, Malice est invincible. Et vous avez en fait 15 tours pendant lesquels elle est invincible. Et au bout de 15 tours, le combat se termine. Et ce qui se passe, c'est que si au bout de 15 tours, plus d'un joueur est vivant, eh bien vous avez perdu. Et si au bout de 15 tours, un seul joueur est vivant, vous avez gagné. Mais pour que le combat puisse se lancer, il faut lancer le combat à 4, hein, si vous avez instantanément perdu. Et vous devez vous entretuer les uns les autres. Et en fait, chaque joueur est invulnérable, chaque joueur est invincible. Et à chaque fois, au début du tour, un joueur devient vulnérable. Et lorsqu'on le frappe, il redevient invulnérable. Il gagne 200 de puissance et un autre joueur aléatoire devient vulnérable. Ce qui fait en fait qu'il suffit de se faire tourner en se tapant dessus les uns les autres. Hein. Chacun donne un petit coup à gauche, à droite. Et on se tape dessus. Et puis c'est à qui peut évidemment obtenir le gain du combat qui rapporte des jetons de malice. Alors, malice donne un jeton à tous les joueurs, sauf à celui qui a survécu, à qui elle en donne 5. Alors si vous êtes Zobal ou Eni, évidemment, vous avez plein de sorts qui ne marchent pas sur les alliés. No comment. Sans parler de grosso merdo, Kra par exemple, flèche assaillante qui différencie allié et ennemi ou ce genre de choses. Enfin bref, vous avez plein de classes sur lesquelles c'est pas très juste. Vous avez le drop de la bouloute d'Halloween d'ailleurs au passage qui est obtensible et de la chauve-souris d'Halloween. Apparemment, ce sera peut-être plutôt en boutique, on verra, qui sont activés au passage. Voilà. Autant la bouloute, c'est sympa, elle est jolie. Autant il y a trop de gens qui l'ont droppée, donc elle a déjà beaucoup baissé en prix. Cela dit, bon, c'est pas si mal, c'est un objet d'événement, hein, donc c'est correct. Cela dit, on l'a vu avec le Minowang, ça a beau être un objet d'événement et d'apparat que les gens veulent vraiment pour le coup. Autant, c'est pas la folie folie non plus, donc bon, on verra bien. Mais voilà. Et pour Malice, du coup, avec les jetons que vous tenez sur elle, pour revenir un peu dessus, j'ai pas terminé, excusez-moi, vous pouvez obtenir donc sa cape et sa coiffe en apparence. Alors, c'est vachement joli, et en plus, ils ont énormément changé les interactions des apparences. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui vraiment perdre les apparences, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez juste les retirer. Et en l'occurrence, la cape et la coiffe, donc citrouille de Malice, peuvent se retirer. Malice, vous les vend simplement contre ces jetons devant la forêt maléfique. C'est vraiment sympa, c'est vraiment joli comme coiffe et comme cape. Juste, c'est chiant comme mécanique sur le serveur monocompte. Et sur le serveur multicompte, c'est une mécanique morte. Je m'explique. Je rappelle, vous devez lancer le combat à 4. Et sur les 4, il y en a 3 qui vont choper un jeton et un qui va choper 5 jetons. Et du coup, sur le serveur multi, bah, les gens se battent dans la forêt à 8 avec leurs 8 comptes. Lance à 8 et font du coup 7 plus 5 jetons, donc 12 jetons par 12 jetons. Et puis c'est grosso merdo à qui peut lancer. Et évidemment, quand on est en team, bah, s'entretuer et choisir qui va garder les jetons, c'est pas un problème. Et quand on est en mono, bah, le problème c'est justement de trouver des gens, un peu comme d'ailleurs en MP. Bon, alors, je passe en solo pendant les vidéos, hein, comme d'habitude, j'ai juste oublié de le faire. Mais voilà, donc ça. Et puis bah, pour parler un peu là des choses concrètes, des succès, etc., moi j'ai fait mon 100%, j'ai bouffé mes machins. J'ai fait mes séries de quêtes, mais pour parler un peu argent et autres, comme d'habitude, c'est de l'événementiel. Alors, si vous n'avez pas capté, il y a des kamas qui sont en jeu, hein, c'est-à-dire que les objets d'Halloween étaient peu d'aise parce qu'ils valaient très cher. Ils valaient très cher parce que grosso merdo, on ne pouvait plus obtenir les graines de citrouille que je viens de dropper ici, hein, sur la citrouille maudite, vous l'avez vu. Ces graines de citrouille, eh bien, dans les recettes associées, il y avait quand même un sacré paquet d'objets. Alors, il n'y a qu'une seule panoplie, d'accord, sur la zone d'Halloween. Mais elle nécessite quand même bah, des drops d'Halloween, des drops d'Halloween, des drops qui sont disponibles que pendant Halloween, des drops qui ne sont disponibles que dans le donjon d'Halloween et sur les mobs d'Halloween pendant Halloween. Et du coup, cette panoplie, bah, elle n'est pas forcément facile à faire, elle n'était pas forcément facile à obtenir. Et du coup, les graines de citrouille maudites valaient super cher et les ratios les coefficients de ces panoplies étaient assez hauts.
quand on cassait les items. Donc évidemment, l'important, et je le rappelle pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est que l'événementiel, les choses un peu limitées et autres, évidemment, valent plus. Et en l'occurrence, bah, tout simplement, si vous voulez stocker des graines de citrouille, tout simplement en faire de l'argent, hein, les acheter maintenant pendant Halloween et les revendre plus tard pendant l'année, ou en faire des choses, tout simplement, hein, acheter des poils, des chicots et des suquettes, etc., et les revendre à l'avenir sous forme de runes, tout simplement en faisant des items, puis en les cassant, hein, et bien ça sera facile. Hein. D'ailleurs, au passage, je tiens à dire que tous les items d'Halloween qui sont là, graines, rouflaquettes, etc., ont énormément baissé en prix pour l'instant, donc pour monter les métiers, c'est pas si mal aussi, hein, pour des trucs de niveau 100. Et évidemment, donc, ça vaudra des coefficients de runes assez élevés. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui encore, régulièrement, de temps en temps, je vais me casser quelques objets de quelques objets. Je vais casser quelques objets de Vulcania, hein, qui font évidemment là aussi des bonnes runes, tout simplement parce que les coefs remontent et que c'est rarement brisé, parce que les ressources ne sont plus accessibles. Donc, évidemment, comme d'habitude, les kamas, il n'y a pas d'astuce, il n'y a pas de miracle. Hein, c'est de la méthodologie, hein, je le répète. Il faut prendre les situations, il faut faire de la spéculation. Et l'événementiel et le limité, vous savez que ça vaut toujours plus cher. Alors quand vous pouvez acheter pour 10 000 kamas un item qui en vaudra 100 000 dans un mois et qui dans 3 mois en vaudra 150 000 et qui dans 6 mois en vaudra 250 000 et qui pourra être brisé à 2000% parce que bah, il sera imbrisable, et bah, vous serez bien content d'avoir fait des stocks maintenant. Alors ça s'adresse à pas mal de joueurs, même à des joueurs niveau 100, 120, parce que c'est pas difficile à farmer pour commencer, hein, tout simplement. Et puis bah, parce que bah, c'est comme ça qu'on fait des kamas, on fait de la spéculation, on fait des revenus. Et d'ailleurs, à ce propos, j'aimerais terminer par les quêtes d'Halloween, les nouvelles quêtes, donc les 4 nouvelles quêtes qui ont été ajoutées pour la 2.48. Elles étaient vraiment sympas, avec des dialogues vraiment sympas, j'ai beaucoup aimé les faire, c'était rigolo drôle. Mais bon, il y a eu un souci. Alors, en fait, pendant les quêtes, à un moment, il y a eu des nouvelles quêtes donc, qui ont été ajoutées, et pendant les quêtes, à un moment, on vous demande de ramener 10 teintures magiques orange. Alors, je vous le mets là, la capture ici. Voilà, 10 teintures magiques orange pour les quêtes. Pour la quête, je crois que c'est le rituel de la bière d'ailleurs. C'est vraiment pas difficile, hein, pour potager d'Halloween, régner, un combat de groupe, des combats contre quelques monstres à la con, un vampire, une tête de citrouille. C'est tout ce que vous avez besoin pour les quêtes. Si vous n'avez pas fait et que vous êtes niveau 150, 160, faites-les, c'est des succès gratuits. C'est des camas faciles. Sauf pour les 10 teintures magiques orange. Alors quelqu'un chez Ankama a dû se dire, ah, on va mettre une série de quêtes avec un ornement, il faut que les gens dépensent des ressources pour se faire, quel truc je pourrais mettre qui a beaucoup en HDV? Ah, et qui coûte pas cher, tiens, des teintures magiques orange pour le truc de la citrouille. Parce qu'en plus, orange et Halloween, vous voyez, c'est super, 10 teintures magiques orange. Alors je sais pas s'il s'est basé sur l'encyclopédie de la 1.29 ou sur l'encyclopédie de la 2.48, mais en l'occurrence, les peaux de larves oranges, on ne peut en dropper qu'à Madrestram sur des larves oranges. Et donc les gens sont allés chercher leurs anciennes captures ocre, sont allés chercher, quand on s'est monté des groupes en arène, les pierres niveau 50 se sont vendues d'un coup, les potions de percepteurs se sont vendues d'un coup, il y a eu masse à gros percepteurs à Madrestram pour des peaux de larves oranges, parce que du jour au lendemain, les peaux de larves oranges, qui servent donc à faire les teintures en l'occurrence, sont passés de 100 kamas à 9000 kamas unités, pour un drop quand même qui a un taux, on va pas se mentir, de base assez haut. Hein. La larve orange, c'est quand même un taux 46%. C'est-à-dire qu'avec 152 pp, vous êtes à quasiment 75%. Avec 200 pp, vous êtes à 92%. Donc c'était difficile en ayant un Dofuscalyptus et en jouant chance, quoi, de ne pas drop. Alors il y en avait ici dans cette zone aussi, mais c'est sur Madrestram qu'on a la concentration de pop la plus grande. Parce que là, elles partagent leur pop avec des tofus. Ici, elles partagent leur pop avec des crabes. Donc là, elles ne partagent leur pop qu'avec d'autres larves. Hein, donc bleu et verte. Et donc, cette bataille sans nom, sachant qu'en plus, il n'y en a pas dans le donjon larve, il n'y a pas de larve orange. Et qu'il y en a de temps en temps ici, mais elles partagent leur pop avec les sangliers et les presse-piques. Voilà. Et il y en a évidemment aussi à Pandala Neutre, où elles partagent leur pop avec des arachnés et des mosquitos. Oui, les connaissances du jeu, je sais, merci. Hop, voilà. Mais enfin, bref, ce qui s'est passé du coup, c'est qu'il y a eu de la spéculation. Parce que 10 teintures magique orange, je vais me dire, mais c'est que 10 teintures, oui, mais la teinture magique orange qu'on peut voir ici, la teinture magique orange qu'on peut voir là, voilà, demande 20 pots. Donc il fallait 200 pots par personne qui voulait faire la quête. Et il devait bien y avoir facilement 200 ou 300 personnes dès la première heure qui voulaient faire la quête. Et donc pour les plus riches et les plus dépensiers et les gens les plus frustrés et les plus idiots comme moi, hein,
ça coûtait 1 million d'avoir l'ornement au premier, quoi. 1 million, 1 million 2, voire quasiment 1 million 5 au début. Donc voilà, j'ai niqué des camas pour avoir absolument mon ornement comme un gros frustré de la vie, mais ça m'a bien fait rire. Parce que du coup, effectivement, le prix pendant quelques heures a explosé. Et ça fait quelques semaines que l'un des trucs à faire sur le serveur, en plus de farmer Malice et les graines de citrouille et le donjon d'Halloween, c'est de farmer les larves oranges. Et de là, ce que les gens en montent des groupes, c'était quand même assez impressionnant. Bref, moi, de là, je vais vous laisser. D'accord. Je voulais parler un peu de mon 100%, je voulais parler un peu de l'effet d'Halloween. N'oubliez pas évidemment qu'Halloween est disponible sur tous les serveurs, hein, sans restriction, sauf 1.29, où je ne sais pas si l'événement est actif. Mais qui contient surtout uniquement les bouffetous d'Halloween pour 1.29, hein, il n'y a pas de choses dans la forêt magique ou autre. Quoi qu'il arrive, je suis très content d'avoir pu vous faire cette vidéo. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Du coup, je ne sais pas si je streamerai ce soir pour fêter mon anniversaire en ville ou autre, ou si j'irai faire un truc en boîte, etc. On est quand même dimanche. Mais voilà, j'ai 24 ans, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Je vous fais actuellement un énorme montage pour aussi les 1 an d'Isaël qui c'était le 17 octobre. C'est aussi évidemment les 1 an de Red Army, Red Legion, Red Revolt, hein, donc ma guilde, le 18-10-2017 à 22h23 avec Chaos Homme. Guilde Halogem créée par Zedar, hein, guilde volée et rendue, la guilde qui aura tout vu. Mais bref, en tout cas, date de création 18-10, donc c'était la série anniversaire. Sachant que bon, ça fait très plaisir, j'ai pu faire plein d'activités évidemment IRL qui me concernent moi et ma famille. Mais voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être encore beaucoup à me suivre. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et puis moi du coup maintenant, hein, je vais vous laisser évidemment enfin. Je vous invite à faire vos succès, à faire Halloween, c'est temporaire. Mais comme moi, pensez-y, on n'y retournera pas avant 1 an, c'est une durée assez courte. Il y a spéculation à faire, il y a possiblement de l'argent à faire, donc spéculez tant que vous pouvez. Et puis bah, sur ce, abonnez-vous, aimez, commentez et partagez. Et puis on verra si je refais des vidéos sur le sujet parce que bah, j'aimerais bien vous refaire des vidéos sur Vulcania, les spéculations que j'ai fait sur Vulcania. Et j'aimerais bien vous en faire sur Halloween. Et sur Noël aussi pour les spéculations événementielles. Mais en général, c'est bien après, carrément normalement 9 ou 10 mois après, avoir accumulé des centaines de ressources temporaires ou en tout cas limitées, qu'on est censé vraiment en parler en fait. Hein. Bref, vous savez quoi faire. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à regarder les liens dans la description. Il y a des liens vers le Twitch. Je ne suis pas le seul streamer d'Ophus évidemment. Donc n'hésitez pas à regarder les bros comme Nozada, comme Majem. Et autres, hein, je vous cite les grands, mais n'oubliez pas de regarder les petits, enfin, vous connaissez la leçon. A plus, chez Filwinch.